Salut à tous, salut à toutes, ici Squall, aujourd'hui nouvelle vidéo, cette fois-ci on va s'attaquer rapidement, tout simplement à la suite du Let's Play. Donc j'ai droppé en off cette version du prompt critical qui est donc relativement efficace. On va se placer avec cette tac. J'ai normalement également, voilà, j'ai droppé ce stop gap niveau 65 également. Qui m'offre donc des dégâts incendiaires. Bordel, pourquoi je l'ai pas pris? Voilà, merci, qui m'offre des dégâts corrosifs à la fin de la compétence d'action. Moi, je veux incendiaire. Tac, incendiaire irradiant. Non, je veux glace, 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 voilà. Donc ici, on a le prompt critical que j'ai drop, et puis on va continuer le let's play. Donc on va parler au Krieg qui est... censé, donc on va se rendre à l'esprit de Krieg ici, on va aux eaux sadiques, tac, et sanctuaire de la raison, c'est ici. Alors personnellement, je sais pas ce que vous pensez de ce DLC, moi je l'aime bien, je l'apprécie, maintenant j'ai peur qu'il soit trop court, c'est vraiment ma petite peur, et pour de vrai, je veux également, et par-dessus tout... tout simplement des invincibles. J'ai un peu regardé et j'ai l'impression qu'il n'y en aura malheureusement pas, donc ça me ça m'attriste un peu, mais bon, c'est pas grave. Tac, donc on se met en mode collant et on continue l'aventure. De nous avoir fait sortir de ce labo. Pas de gâteau pour péter la mort. Le spectacle doit continuer. Tu as raison. Il est temps d'apporter la touche finale à la statue. Alors attendez, tac, alors je sais, c'est chiant, mais c'est comme ça. On prend une petite capture de Krang. Ah mais c'est une statue vivante. Ah mais c'est de... Ok, c'est comme dans le trailer. Donc là, il va balancer, quoi. J'ai failli tomber comme un gros con. J'ai failli tomber comme un gros con. Et voilà. On va voir ce qu'il a bien pu cacher de si précieux. Le loup s'en rase. Je détecte un fort pic d'activité neurale à l'intérieur, chasseur de l'arche. Et il s'agit des mêmes formes d'ondes cérébrales que j'ai pu remarquer dans d'autres sadiques. On approche du but. Bon, voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Et j'aurai rempli ma part du marché. J'espère qu'on va trouver ce que vous cherchiez. Ah ? Qu'est-ce qu'on a eu ? Je comprends. Ok, pensée divergente. Pourquoi j'étais pas censé avoir un shield aussi. Ah non, c'est pas un shield quelconque, c'était juste un légendaire. Ok, j'ai rien dit. Je rabaisse le sang. Je ne comprends pas un traître mot. Ah, pas tous la brûlure. Comme tu veux, me dis rien, mais on le saura très vite. Tremble, gigote. Ouais, ben merde à toi aussi. Ok, bah c'est parti, let's go au Valalarche. Voltala, ok. Par ici, ma fille. Les nerfs sont complètement ma boule, si vous me passez l'expression, mais il semblerait que vous touchiez au but. Le Valalarche. Qu'est-ce que c'est? Vous sentez ça? Dégueulasse. Oh! C'est comme si mon sang était en feu. Krieg, qu'est-ce qu'il vous arrive? Le boucher s'éclaircit la voix. Ça brûle. Je le sens partout. Comme si on me griffait tout le corps.
Alors avant de continuer, on va visiter. Tac. Ok, donc on a un menu écho ici, on va l'écouter. Plains-toi de la sonnerie de mes temps. Ok, d'accord. Tu crois que ça y est, t'es prêt à toucher dans l'humour? Je t'écoute. Raconte-moi ta blague. Pourquoi le Skag n'a pas traversé la rue? Je sais pas. Il m'a croisé. Tu sais quoi? C'est pas si mal. Il peut parler, lui? Pas si mal. Geronimo! Ok. Étrange. Alors, hall des lésions. Ok, donc là, il y a des munitions. Quelque chose vit ici. Et il est en colère. Oh, je me demande ce que c'est. Alors, tac, toi, je te remets là. Quelque chose de très puissant s'agite dans l'esprit de Krieg. Est-ce que nous aurions trouvé ce que je cherche depuis toutes ces années? Vous devez faire vite, chasseur de l'arche. Les réponses sont toutes proches, je les sens. Si le fait de les sentir peut être considéré comme une source de données fiables, ce qui n'est pas le cas. Ce sentiment, je le connais. C'est la rage. Une rage surpuissante qui vous consume. Je crois qu'elle me réclame. Ça ne va pas se passer comme ça. Les pierres n'écraseront pas le petit homme. Il me protège. Écoutez, vous devez continuer sans nous. Vous devez combattre cette chose. On se joindra à vous si on peut. Je vais manger la sauvagerie dans tes poumons. Bah, c'est parti! Ah bon. Je présume que ça va être un combat de boss. Alors, je reprends vite fait ici. J'ai eu un léger bug. C'est pas grave. Donc, on va continuer tranquillement et explorer la Val à l'Arche. Bah dis donc. Ok, donc alors lui il va être sensible au feu. Tac, donc on va se mettre en dégâts incendiaires. Voilà, tac, incendiaire irradiant, ça me semble correct. C'est quoi ces conneries? Voilà. Putain, le backburner alors qu'il est à peine niveau 60. C'est vraiment, vraiment n'importe quoi. On va utiliser ça. Alors, sadique violent. C'est pas terminé, chasseur de l'arche. Préparez-vous. Un cataclysme! On fera tout ce qu'on peut pour aider. Au bordel! La colère céleste! Ok.
Hop. Hop. Voilà. Alors, normalement, ça devrait être... Et ben voilà. La colère a provoqué ta chute. Oh, il est facile ce boss. Il est gros, mais il est facile. Elle a disparu. Vous avez réussi. Je sens un changement. Chasseur de l'Arche, par ici. Cette chose empêchait cet endroit de s'effondrer. Le temps découpe le cœur et se transforme en chaos. Il a raison. Ça va s'écrouler. Partez. Prenez tout ce que vous pouvez avant que tout ne disparaisse. Les trésors de la chasse seront à moi. Allez. Oh putain. Alors attendez là, qu'est-ce que c'est que ça attaque? Dépêchez-vous, cet endroit n'en a plus pour très longtemps. Bah dépêchez-vous, mais... Je suis parvenu à rétablir le contact, mais la construction mentale du Val à l'Arche s'effondre. Vite, prenez tout ce que vous pouvez. Le dérangement vient des plaies salées. Alors, tu m'as trouvé quelque chose? No, je ne forgiven. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vite, vous n'avez plus beaucoup de temps. La tragédie tranche la viande résiduelle. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tac, machin boots, Malax Bane. Pas un coffre là. Quand vous mettrez un pied dans cette lumière, tout disparaîtra, je crois. Tout peut s'effondrer à tout moment. Je peux pas y aller. Bon bah, let's go. Alors beaucoup de légendaires pour pas grand chose. C'est quoi cette salle des coffres où on peut y aller qu'une fois? Je comprends maintenant. Cette chose, c'était tout ce qui représentait la rage et la violence en nous. Et c'est moi qu'elle voulait atteindre, pour me transformer, comme lui avant moi. Depuis tout ce temps, il me protégeait. Il ne voulait pas me perdre. Krieg, je suis prête à lancer l'extraction mentale. Non, je crois que je vais rester. À force de se battre pour le peu qu'il reste de nous, on en avait oublié comment créer quelque chose de nouveau. Mais... c'est fini. Où est-ce que je pose notre salade de doigts sur la table? On va commencer ici. Ensemble. Toi d'abord, qu'est-ce qu'il nous faut? Un bonnet pour visage fragile. Lance-toi. Très bien, c'est parti. À toi. Joli. On perd tous des choses. Notre passé, nos amis, notre âme. Mais on va de l'avant. On se répare quand on se brise. On n'est peut-être pas parfait. Ça ira comme ça. Allez, entre. Raconte-moi ta journée. Mais on s'en rapproche. Doucement. Alors, le truc, c'est que il rêve d'une maison à la campagne avec des armes en or et sa petite Maya. Oh, un lance-roquette, qu'est-ce que c'est? Minor Kong. Ok, mon très cher John. Peut-être un hommage par rapport à un développeur qui est décédé? Vous avez tous mes remerciements les plus sincères pour avoir accepté
comprendre ce qui fait d'un sadique un sadique. Mais il va me falloir du temps pour arriver à une conclusion satisfaisante. En attendant, vous êtes libre de profiter du cerveau de Krieg à tout moment. Je suis sûre qu'il n'en sera pas dérangé. Dérangé, je suis si drôle parfois. Je suis fier de lui. Aujourd'hui, pour la première fois, il s'est débattu. La lutte éternelle contre les liens. Oui, mais quand on y réfléchit bien, la lutte en vaut la peine. C'est la seule façon pour nous de peut-être un jour devenir qui on veut vraiment. Le nœud ne sera jamais défait. Je sais, oui, je sais. Mais pour la première fois, je crois que je peux l'accepter. Écoutez, on ne vous remerciera jamais assez pour tout ce que vous avez fait. Mais surtout, n'hésitez pas à revenir quand vous voudrez. Et quelque chose me dit qu'on n'est pas totalement débarrassé de cette chose. Il faut croire qu'on n'élimine jamais complètement ces démons. C'est une guerre sans fin. Et peut-être qu'ils ne faiblissent pas, mais nous, on se renforce. J'aime bien un peu l'aspect, bon, pas trop truc, mais légèrement l'aspect dev perso sans forcément boui-boui, jungle, vous êtes la meilleure version de vous-même et toutes ces conneries. Mais j'aime bien ce DLC d'un point de vue histoire, mais également la morale qu'il y a derrière. Maintenant, avec ce qu'il a dit, peut-être moi, peut-être, je prie. Ok. Alors maintenant que ça c'est fait. Écoutez, j'ai besoin de savoir, votre chasseur de l'arche. Est-ce qu'il vous arrive de vous demander si on fait plus de mal que de bien ? Je veux dire, je sais que je ne suis pas. Alors c'est quoi ça ? Ok. Ah ! Mais eux, ils sont méchants. Tout ce que je fais, c'est pour les pillards écarlates. Sauf le hammam du mercredi. Ça, c'est bon. Ok. Bon. Alors, on va check cette mission-là. Salut. Et j'ai quelque chose à la machine. Sauver un soldat égaré, ok. Bon. Alors, ça veut dire qu'il y a sans doute... Malheureusement, pas d'invincible, j'en sais rien. On va faire un petit quitter, sauvegarder et retourner voir si on peut rebattre le méchant. Je vais vite fait check ça. Et sinon, eh bien, ça mettra fin à ce petit let's play. Donc, on va vite fait le battre. Tac. Inventaire. Non, map, pas objectif. Tac. Val à l'arche. Tac. Et nous arrivons au Valalarche. Et on va tester ça. Bon, par contre, ce DLC, il était aussi très court. C'est dommage, les histoires sont intéressantes. Mais un peu trop courtes. C'est dommage, j'aurais bien ajouté une bonne heure de gameplay, quoi. Ça, c'est vraiment le seul point négatif. C'est que, bordel, c'est court. Et moi, j'adore d'un point de vue personnage, on apprend plein de choses. C'est vraiment stylé. Mais, bordel, moi, je veux en savoir plus, moi. Alors, tac... Voilà, maintenant normalement. Voilà, hop. Ça dit violent, c'est parti. On va commencer le tag. Tac, tac. Voilà. Hop. Hop. Un. Voilà. Voilà. Normalement là il est mort. Enfin mort. Voilà.
Occupez-vous d'eux. Voilà, maintenant on va... Ok, tac. Et une dernière, non. Voilà. Ah, on a une arme. Qu'est-ce que c'est? Convergence. À la fin de la compétence, vous avez 15% de dégâts radiants bonus. Convergence, peut-être une nouvelle arme. On va prendre ça en main. Je crois que oui. Ok. Ah, mais on peut retourner ici. Ok. On accède ici, bordel de merde. Ok, ah. Phaser, non merci. Ok, hop. Voilà. Bon, au moins cette salle est farmable, c'est cool. Ah ouais, c'est grand en fait. Oui. Ah, un nouveau délire. Ok, il y a des nouveaux, il y a un nouveau défi. Je vais essayer de limiter les conneries pour éviter de toucher à quelque chose qu'il faudrait. Ah, c'est les coffres qui sont limités, c'est ça? Ah ok, il faut ouvrir totalement pour avoir accès à ça, ok. Enfin, je pense que c'est ça. Le délire. Je pense que c'est ça. Et en bas, on peut y aller? Ah non. Ok. Bah écoutez, c'était tout pour ce let's play. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu avant de partir. Et puis moi, je vous retrouve tous très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Squall. Salut à tous.